Bienvenue pour un nouveau live, faut que je le trouve, ici, sur Vintage Story, ça fait longtemps. J'y ai touché un tout petit peu dans les dernières semaines. J'ai fait un petit peu de construction. J'y touche pour une seule bonne raison, Starfield. J'en ai là. Pas que le jeu est pas bon. Le jeu est vide. Le jeu est vide. Il manque beaucoup de fonctionnalités qui devraient être de base dans le jeu. Il faut qu'on passe par des mods pour les avoir. Et je vais attendre avant de reprendre Starfield. Un certain temps, le temps que ça se calme, ben le temps que ça, qu'il rajoute des choses puis qu'il stabilise le jeu, parce qu'actuellement le jeu n'est pas encore tout à fait stable. Moi je le vois de mon côté, les performances, je tourne à peu près un petit peu moins que du 30 FPS. Un petit show-up de ce que j'ai fait en live. Ça, j'ai tout creusé ici, j'ai tout construit le mur, j'ai pas éclairé. J'avais commencé à creuser la section du fond, mais je me suis tanné là. Là, aujourd'hui, on ne fait pas de construction. C'est pas le projet. Le projet, c'est de ramasser ça. Il va me falloir des planches. Parce que j'ai envie de commencer quelque chose que je n'ai toujours pas touché.
l'élevage. On va y toucher rapidement. Parce que l'hiver vient. Et j'ai pas envie d'être surpris par l'hiver. C'est ici que je cherche. Deux plans génétiques. Comme dit, je sais même pas quelle heure il est. Ouh. J'ai pas déplacé mes lits encore. Ouh. 20 heures. Le projet va être de aujourd'hui simplement de s'attaquer un tout petit peu à l'agriculture. On va pas à l'agriculture, à l'élevage. On va ramasser quelques animaux. S'assurer qu'ils soient bien. Avant le début de l'hiver, parce que l'hiver vient et on va travailler durant l'hiver. Et boy, je vois la glace s'étendre. Voyez pourquoi je veux me dépêcher à faire ça. L'hiver vient, l'eau se gèle à grande vitesse. Et si je ne fais rien, on va être couvert sous la neige. Et oh, bonsoir. On a un bœuf ici. Pépite. Je le prends comme un compliment. La forme, évidemment que c'est la forme. Évidemment. Je pense qu'on va s'installer ici à l'enclos. Oh là là. Oh. Pour pas trop en parler, hey, j'ai. Mais quel chapitre! Mais quel chapitre! J'en reviens toujours pas. La masterclass qui nous a pondu au chapitre 192. Waouh! Waouh! Hey, je dirais pas que je vais rester poli, mais disons que la goule était présente. On va se mettre ça ici. Avec le foin. Oh mon Dieu, ce chapitre en animé, une masterclass digne des plus grands. Voilà. En vrai, je pense que je vais étendre encore la clôture. Jusqu'ici. Au moins. Est-ce que c'est Luffy qui active le robot? Je vais expliquer ce que mon ressenti, ok? Sans trop spoil, parce qu'on s'entend qu'on est que deux actuellement sur le live et que tous les deux on sait ce qu'il y a dans le chapitre, mais il y a du monde qui regarde les rediffs. Mon ressenti. Vegapunk le dit dans un chapitre précédent qu'il a tout essayé pour activer le robot et rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Rien n'active le robot. Alors pourquoi il s'active en présence de Luffy?
Luffy a quelque chose que Vegapunk n'a pas. Luffy, on s'entend là-dessus, il a un rôle prédominant dans, dans l'anime. Il a un poste. C'est exactement ce que je pense. Mon avis, le robot a probablement l'ADN de Joy Boy en lui. Il ne répond qu'aux ordres de Joy Boy. Mon avis, le robot n'obéit qu'à Joy Boy. Attends, on va laisser deux là. C'est mon avis. Ah mon dieu, s'il monte jusqu'à Marie-Joie, même à Kainu, il fera pas grand chose. Même à Kainu, il fera pas grand chose. Oups, culture. Là, j'ai juste. Je vais autoriser le terme. Ouais, ça va faire un bordel monstre. Si Joy Boy, on a un ball, les balls sont des mâles. En attendant, je vais mettre mon petit portillon ici. Et on va se débarrasser. T'es où? Il est là. Bougez. Les balls sont des mâles. Donc, aucun scrupule. J'ai un mâle, pas besoin de plus. En tout cas, pour l'instant, il va falloir qu'on fasse de la place pour des femelles, quand on aura l'opportunité de ramener une femelle. Là, il me faudrait des mouflons. Je vais aller chercher ma faucille. Parce que j'ai besoin d'herbe sèche en grande quantité. Et l'objectif, ce serait de ramener cochon ainsi que. Elle n'est pas là. Cochon et mouton. Pas que Luffy. Pour moi, c'était inévitable. Aokiji, hey, j'ai des blancs mémoire. Kizaru se laisserait pas faire. C'est ça, merci. Je l'ai trouvé en même temps sans lire ce que ton commentaire, mais Kizaru se laisserait pas faire. Allait pas laisser Luffy s'en tirer à bon compte. Je m'attendais à ce que Kizaru passe, parce que je me souviens de mes notions de base de science. Que la lumière, c'est un laser, c'est de la lumière, et que le bouclier, c'est un bouclier laser, donc bon. J'avais compris qu'il pourrait passer. Mais là, c'est quoi, c'est un sanglier? Ça m'indique pas si c'est un mâle ou une femelle. On va devoir l'attirer.
On va prendre le chemin long. On va l'attirer vers la mangeoire. Puis on va le déplacer lentement, mais sûrement comme ça. On fera des chemins aussi après. On se fait plus un épisode relax aujourd'hui. Pour moi, le combat est clairement en avantage de Zoro. Zoro a déjà battu des adversaires plus coriaces. Ah ouais. J'ai pas l'intention de te taper, mon porcinet. Ah, porcinet. Ah, porcinet. On passe par le deuxième moyen. Tu viens, porcinet? Hey! Porcine! Youhou! Ben, si ça te fait plaisir, tu me tueras pas. Et vu, il a dit que Isaru vaut bien le niveau de quelqu'un qui... et t'as vu, il le dit, Kizaru, que Luffy vaut bien le niveau. Ouais, non, il a dit, t'es bien quelqu'un qui a fighté Kaido. T'es-tu bien celui qui a downé Kaido? Mais, je sais pas si il a jaugé son pouvoir dès là, mais le combat est clairement en désavantage de Kizaru. De mon point de vue, Luffy own Kizaru. De mon point de vue. Où le combat va être assez... coriace. Youhou, porciné! Merci, porciné. Il a fait mal, mais bon. Pour moi, Kizaru est comme ça. Kizaru est quelqu'un qui, s'il n'a pas d'intérêt dans le combat, il ne s'applique pas dans le combat. Kizaru n'a pas d'intérêt dans le combat contre Luffy. Il n'y a aucun intérêt dans ce combat-là. Il n'y gagne rien et il n'y perd rien. Luffy ne tue aucunement ses adversaires, donc théoriquement, il a pas peur pour sa vie, il a juste peur des conséquences du combat, tout simplement. Parce que Luffy représente l'avenir. Ouais, si on extrapole un peu, si on extrapole... Il aurait tué Kaido, ouais, en extrapolant beaucoup. Mais de mon point de vue, il n'a pas tué Kaido. Parce que, est-ce qu'on n'a pas vu le cadavre de Kaido? On va commencer par dégager la zone. C'est quoi? Fougère, ergue, aigle? Fougère... Sert à rien. Ouais, bon... Mon ressenti, Kaido risque rien, Big Mom non plus.
Ça a été un très beau combat. Ils vont probablement l'avoir à la mauvaise. Ils vont se remettre sur pied, puis ils vont probablement se réessayer. Quand ils auront bien récupéré. Ça, on va faire le chemin jusqu'à ça ici. Ah, ça se pourrait, Luffy n'a rien à battre. Luffy, là! De ce que j'ai vu avec Luffy, là, faut s'attendre de tout. Il y a aucune gêne à inviter des anciens ennemis. Parce que pour lui, du passé, c'est du passé. Ça le dérange pas. Aussi, on va... Après avoir fait les chemins... Ah, et c'est tout à fait possible. Avec Luffy, là, faut s'attendre à tout. Ouais, il l'a dit, fait que... Oda l'a dit, t'as fini sur un banquet immense, fait que... Bon... Il manque juste à savoir qui va être présent au banquet. Mon avis est qu'on va être surpris. Je fais pas de chemin jusqu'à ma zone agricole, je vais la changer. Luffy a pas le choix. Luffy a pas le choix de descendre le système tel qu'il est actuel. Pas volontairement, on s'entend là-dessus. Luffy puis la politique, ça le regarde pas du tout. C'est son père qui va profiter du bordel que son fils va faire. Pour mettre à terre le système. Oh! Mon bonhomme commence à avoir froid. Quelle température il fait? Il fait 1 degré. Ça ici, on met ici et on va creuser là. Et à partir de là, on fait ça comme ça. L'hiver est là, donc il va falloir qu'on commence à penser à tenir l'hiver. Comme ça ici. Un chemin de 3 de large, je pense que ça va bien passer.
Je vais aller faire mes blocs de chemin tout de suite. Eh, boy, mon bonhomme a froid, pis ça paraît. Ah, j'ai le frima qui commence à apparaître sur le bord de l'écran. Bon, ça devrait suffire. Ça, c'est... on peut ranger l'herbe sèche. Je peux prendre les blocs qu'on a là. Il faudrait que je trouve bloc de terre. Faire les blocs de chemin, c'est ça. Boum. Boum. Voilà. Mon point de vue sur la situation qui va arriver à ce moment-là, ça va être Luffy et Dragon versus Im. Ben plus Luffy et Im-sama. Im-sama, on a quelque chose à carrer du Gomu Gomu no Mi. Luffy, lui, n'a rien à carrer de Im. Voilà. Il sait même pas c'est qui Im-sama, fait que... Oh, c'est beau! Comment avoir un beau petit chemin? On va me tirer comme ça ici. Donne un petit peu plus de marge. Ici, étendons un tout petit peu. Je peux même tirer ici. Eh bon, ouais, il va falloir que je commence à me barricader. Ici, on jarte ici, ici et ici. Voilà. Ici. C'est là. Je vais en profiter, je vais aller faire un tour au champ parce qu'il doit me rester quelques cultures qui traînent. Ouais, il me reste quelques petites cultures. Ouais. Je les ai délaissés un tout petit peu. En vrai. Pas m'inquiéter là. Ça je veux, ça ici je veux. On va ramasser les cultures. Le peu de culture qui me restait. Voilà. C'était tout ce qui restait. Terminons le chemin. Même rajouter un bloc ici. Voilà.
direction. Au fait, j'ai eu mon plateau pour mon permis. Nice! Très content pour toi. On va pouvoir fermer la porte. Température extérieure. Température corporelle. 34,3. Je vais juste m'envoyer un tout petit peu. Ah. 34,6. Ah, la température augmente. 34,7. OK. Pas besoin de mettre à chauffer. Le fait qu'on est sous terre fait réchauffer le personnage. C'est bien. Il va falloir que je fasse un peu de ménage. Avant de commencer à faire autre chose. Des nanos, on peut ranger. Des graisses, j'ai. On s'en fout. C'était ici, je pense. Ouais. Du lin. Oh, on a pas mal de lin en vrai. Pas mal de lin. Ah, fait plaisir aussi. Bonne nuit en passant. Normalement, je devrais faire des lives tous les jours, mais des fois, on s'entend pas facile. Surtout quand t'es down pour faire le jeu que t'avais prévu faire. J'adore toujours faire des lives, mais bon, le jeu que j'avais prévu faire, je l'ai dans le baba. Être honnête, je l'ai dans le baba. On va faire un petit peu, tout petit peu de construction. De creuser la zone pour commencer à entreposer les barils. Mettre ça ici. On va juste faire Starfield. Le jeu est assez vide. Malheureusement, il est vide. Il manque beaucoup de choses dans le jeu. Et malheureusement, l'envie de jouer n'est pas là. J'ai pas l'envie de jouer au jeu. Malheureusement. Le jeu est pas mauvais, mais il manque clairement de petit peu d'attention. Disons-le comme ça. Il y aurait clairement besoin d'un tout petit peu d'amour encore. Quelques mises à jour et on aurait une masterclass. Bonne nuit, Edo. Je vais en profiter. On va mettre ça comme ça. Pas besoin de plus pour l'instant. Juste un bloc supplémentaire puis on est bon. C'est que je puisse commencer à faire du cuir en grande quantité. Que je prévois faire là. Voilà. Barry. Tac. 209, toi. Tac. 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 Et voilà. Pour l'instant, c'est suffisant. Prendre ça. Se prendre ça. Ok, pour faire du tanin. Tanin dilué. C'est 10 litres pour une bûche. Donc c'est proportionnel. Là j'ai 10 litres. 20. Trente.
Je vais vérifier quelque chose par contre. Si je fais sceller. Ah, ok, non, ça brise le baril. Ça vide le tonneau. Ça répond à ma question. Frais. Si je fais viande. Cuir rouge. Cuir au four. Viande rouge séchée. Retour. Si je fais des tourtes. Il n'y a pas ça comment les autres. Ok, on peut pas partir avec ça ici. Enfin. Non, on va aller avec pain de lin. C'est mou. Ok. Si je fais retour, puis je vais dans guide, repas, ragoût, bouillie, soupe, confiture. Fabrication de la tarte. De tarte. Ok. Il n'y a pas d'information, mais je vais voir s'il faut que j'utilise de la viande crue ou de la viande cuite. Miaou. Miaou. Je vais faire que 4. Porte. Juste pour pouvoir me faire une tarte. Attendant. Je vais voir ça a l'air de quoi. Et en attendant, il faut que je trouve la table. Ah, bon, ben, trouvé. Table en bois. Tout de suite. J'ai trouvé tout de suite. J'ai rangé mais les bons petits légumes là-bas. Manioc. Faites tremper dans l'eau pour les rendre comestibles. Il va falloir que j'enlève ça de là. J'ai les mains pleines. Bloc de chemin. Il va falloir que je passe à ma table. Oh, inventaire et poule. Malheureusement, je peux pas faire autrement. Mettre la table là. Comme ça. Céréales, beaucoup de protéines. Il me reste de l'eau là-dedans. Oui. Non, faut que je fasse tremper. C'est pas comestible, ça m'énerve.
c'est... Je peux en faire que 6. Ça. C'est pas comme un style et je vais commencer à prendre des dommages. Je vais devoir griller un bout vite fait. T'as peu, je viens de passer. Ça, c'est vide. Vide. Il est où le tonneau? Il est où mon baril? Oil. Il est où? Il est où? Il est où? Ici. Hydromel. Hey, l'alcoolique, on va le faire boire. Le sio est vide. Oh, bon boy. Wouhou! C'est... elle dure combien de temps, sur la table, la tarte? Encore frais pendant 15,5 jours. C'est bon. Excusez. Je vais regarder de quoi par contre. Est-ce qu'il me reste des petits boules? Eh yeah, beau boy. C'est un enfer! D'avoir un personnage alcoolique. C'est boire que ça va pas bien. Ah! Ça veut dire qu'il commence à se calmer. Ah, oh, ça commence à aller moins pire. Ça commence à aller moins pire. Ah! Ouais, j'avais rajouté des caisses de stockage qui contiennent beaucoup de granit. J'ai calcaire granit en grande quantité. Mon Dieu! Mon Dieu! On y arrive, on y arrive. Il me reste du bois de chauffage. Oui. Préparer le four au moins. Pour enlever les torches. Permettre de sauver un peu. Et on va se faire ça. Boum. J'ai encore pas mal... deux grenouilles là-dedans. Voilà, encore. Voilà. Fait du bien. Ok, on peut ranger le foin. On va se faire que le dernier bout de viande. Juste pour dire. Ouais, sous terre, on récupère la température corporelle assez rapidement. On va laisser monter en température. Juste pour récupérer notre viande. On a pas mal de foin, fait qu'on va être carré pour l'hiver. Il va falloir que j'aille rehausser la clôture par contre. D'au moins un bloc. Parce que j'ai pas envie que les animaux se barrent durant l'hiver. Voilà, un petit bout de viande cuite. Miam miam miam. L'alcool est passé. Voilà. 2h sur 24 heures. Je vais me faire... j'ai des bougies.
J'ai encore pas mal de bougies. J'ai regardé quoi par contre. Ça ici, c'est H. Manteau. Non. Bon état. Ça me permet de me faire de quoi qui donne chaleur maximale de 2. Lui me donne. Chemise de roturier me donne plus rien. On va essayer de trouver mes. Shears? J'ai un peu. On va voir. Ok, manteau de fourrure. Travail du cuir. Graisser, reposer, créé par. Oh! Oh! Et ça donne 4 de température. Avec un couteau. Ouais. On va se prendre 3 grandes peaux. J'ai de la graisse. Ça, c'est E. Reposer. Ça ici, ça va être H. Fabrication du cuir. Après avoir obtenu peau brute, on s'en fout. Peau préparée. Peau grande, peau graissée. Après 48 heures, se sèche en fourrure. Ok, il faut que j'attende 2 jours. Puis avec les grandes peaux, si je fais manteau. Et que je fais manteau de fourrure avec les grandes peaux, avec mon couteau, ça va me donner ça. Ok. Ben là, faut que j'attende. Voilà, ça va être à attendre dans l'inventaire. En attendant, je vais déposer ça. Ça, les pains qui vont me rester, il me restera pas de pâte. J'allais dire, avec la pâte, il va me rester, mais non, il m'en restera pas. Je vais récupérer du foin. Je vais déposer bûche. Au moins ça, ça. J'ai du chêne. Il va me falloir 4 de chêne. Seau en bois, on va remplir. On va marcher. On va juste marcher un tout petit peu. On va préparer
comme dit tanin, on a besoin de tanin dilué, on va en profiter, on va faire je vais en faire la moitié-moitié, parce que là, je suis en train de me dire que 40, ça bouffe pas mal tout mon mon charbon, mon oak. Mais 20, je veux dire 2, voilà, en 20 litres de tanin dilué, clac clac, ça je préfère. On va mettre ça ici, et on va se faire même chose. Un autre 20 litres pour faire deux fois du tanin dilué, parce que une partie du tanin dilué va être concentrée, on va le concentrer. Et l'autre, on va le laisser en dilué, parce que c'est plusieurs étapes pour faire du cuir. Et c'est assez long, mine de rien. L'objectif, c'est de faire un peu tout aujourd'hui, là, c'est se mettre bien, parce que là, l'hiver commence, et dès que la neige va commencer à s'accumuler, on va avoir des problèmes, on va devoir rester beaucoup en cabané. Bon là, scellé. Et voilà. Ça, c'est fait. Et moi, je vais profiter, je vais faire de quoi par contre. Ça. Oups, un bloc de trop. Comme ça. Comme dit, je vais faire que plusieurs accès pour la forge et compagnie. Comme là, ici, on arrive ici. Mais ici, je vais faire la même chose. C'est deux blocs. Théoriquement, on va être en face. On va être complètement en face et on fera un autre accès à la forge. Là, faut que j'attende après le manioc. Et là, si je regarde, il est 3h du matin. Et lui, il n'a pour encore la journée. Oh, manioc, c'est là. Le manioc va me donner quelques fruits supplémentaires, quelques légumes pour la tourte. Parce que je pense que je peux encore en mettre. En même temps, elle a l'air pas mal pleine, ma tourte. Elle a l'air pas mal pleine. Ajouter une garniture. On va lui rajouter le manioc. Je sais pas si ça va passer le manioc, mais on va voir. Je vais en profiter dès que le jour se lève pour aller renourrir un coup les animaux. Et peut-être, qui sait, ramener un autre animal. Et durant l'hiver, on va s'amuser à creuser. Malheureusement, ce qu'on devra faire de l'hiver. De temps en temps, on va aller voir les animaux pour les nourrir. Mais je m'attends pas à ce qu'on puisse atteindre le premier stage de l'élevage, puisque j'ai qu'un bœuf et un cochon. Ben, il va falloir que je réussisse à les monter. Et pour ça, il faut que je me ramène une truie et une vache. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, faut l'attendre après lui. Je prépare les tanins, mais je pense pas qu'on va faire du cuir aujourd'hui. Malheureusement,
il n'a pour un bout à se préparer, puis je vais ranger mon autre peau. Inutile que je la garde sur moi. On a un peu de cuir ici, là. Et on l'avait vu, c'est pas assez. Les moutons seraient importants si c'est pour faire de la laine. Ils appellent ça comment? Élevage des animaux. Poulailler. Ah, c'est mouflon. Les mouflons et sangliers, les poulets peuvent être transformés en bétail. Le jour prend du temps à se lever aujourd'hui, maintenant. Là. Y a-tu d'autres choses que je peux me servir pour grailler un bout? Il y a moyen de grailler un bout avec les grains que j'ai là. On va manger un peu de grains. Là. C'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant, mais il faut que ça tienne. Faut que je tienne le temps de... que l'autre se fasse. Les graisses aussi, je peux les ranger. Ouais, fait noir. Vous n'allez pas voir grand chose pour l'instant là. On va se diriger vers la zone où on a commencé à aménager le chemin. Que je pense que je vais devoir couper lui. Voilà, puis on va faire passer et serpenter le chemin ici. Moi, pour moi, ça commence à être un peu plus clair. Oh là, j'ai tiré un peu trop. Ici, je peux garder. Ça ici. Bloc de terre ici. Je vais peut-être un petit peu étirer, mais ouais, on va enlever lui. Comme ça.
Mais il va me falloir une autre pelle. Le jour se lève, que vous commencez à voir un peu plus, mais on a encore un bout de chemin à faire, mine de rien. Puis si on regarde ici mon vin de canneberge se transformera en 10 litres de vinaigre après 14 jours de sellage. Les vins de canneberge sont faits. On a du vin encore, c'est de la bonne grosse boisson. Tout, j'ai pas de pelle. J'ai plus de pelle. On va s'en faire une. Je sais pas en quoi encore. On va faire une en silex juste pour dire que je me fais une pelle. Silex, silex, silex. Une hache. Hey boy. J'ai du silex sur moi ou je n'ai plus? C'est quoi ça? J'ai plus de silex? Je vois plus de silex. J'ai plus de silex. Ah, il est là. Une pelle en silex. Voilà. C'est le seul bout qu'on va élargir, c'est ici. C'est le seul bout qu'on va élargir, c'est ici. Pour l'entrée. Ah, il commence à neiger. Non! Commence à avoir quelques grenailles de neige. La neige va commencer à s'accumuler assez rapidement. Ça. Ici, j'ai un bloc de trop. Voilà. Ici, c'est 3. Ici, c'est 3. Lui, il me dérange. On recommence à creuser. Même je vais laisser toi là. Comme ça ici. Et là, on peut revenir ici.
toi, t'es trop. C'est en tête du pot final, genre, là, au fur et à mesure là, qu'on va voir qu'on a besoin, là, on va élargir, comme ça ici, toi, je vais te virer. Mettre un bloc de chemin là. Comme ça ici. C'est du pot final au fur et à mesure qu'on va avancer là, dans le chemin. Là. J'aimerais au moins que le chemin soit fini avant l'hiver. Comme ça ici. Là, l'hiver vient de pogner. Il commence à neiger là, puis je le vois là. Bon là, je... Ça prend 2 secondes de faire une pelle en silex. Voilà. Bon là j'ai la fin, il vient de me pogner. On va t'y couper la fin au moins juste pour dire. Le chemin est quasiment fini. Pour ce qui est du côté ici, peut-être que je vais mettre tout du long une clôture en... peut-être pas une clôture tout du long, là, mais quelques petites clôtures par-ci, par-là, avec des lampes dessus ou des poteaux ici. Des lampposts. Par-ci, par-là, juste pour dire que, bon, c'est éclairé et qu'on voit où on va. On a la moitié du temps de fait, faut que je toffe. Faut que mon bonhomme toffe le temps que ça dure. J'ai plus rien à grailler. Je pourrais l'envoyer à cuire. Je vois que ça descend. J'ai plus rien à bouffer. Oh non, c'est vrai, j'ai quoi à bouffer. J'ai à bouffer. On va aider notre bonhomme. Une chance qu'il n'y a pas de médecin dans le jeu. Parce que je vais clairement le rendre. Je vais clairement y développer une cirrhose du foie au bonhomme. Il va avoir une cirrhose du foie aiguë. Et il lui reste 1 litre. Je vais 10 litres. Oups. Ah, j'ai... Est-ce qu'un litre? 1 litre de vin de canneberge. Il ne me reste... Un litre. Ok, bon, je vais avoir bu pas mal.
Ce sera pas des plus évidents de construire en vrai ici, oui. Ça ici. Si bois que c'est dur à construire en état d'ébriété. Bon, on va arrêter le chemin jusqu'ici. On va partir de la porte puis on va le descendre. J'avais dit que je voulais qu'on garde la zone cachée, mais bon. Soyons honnêtes, ça fait moche. Qui est mis à côté. On voit que le curseur est clairement pas aligné sur mon curseur à moi. À cause de l'alcool. Si je pète des blocs comme ça, là, les blocs comme ça peuvent être brisés. Lui non. On va mettre le boulot Drella là. On va faire comme ça. Les chemins, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy dans le jeu. Je le concède. Mais, ça a le côté pratique d'accélérer notre déplacement. Et en même temps, ça permet de délimiter les zones où on se dirige. On va se faire un beau petit chemin en belle ligne droite. Ça se brise aussi. Oups. Voilà. Un petit peu de ménage. Ça va là-dedans. Ça va là-dedans. Ça va dans le bois.
Paf, bois de chauffage, ça peut aller là. Allô, Martha, ça va bien, toi? Ici, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Good, ça va bien. Là, il faudrait que je trouve ma pioche. Je dois avoir une pioche qui traîne là-bas. Moi, je dois en avoir une qui traîne. Il me semble que j'en ai vu une qui traîne. Pas ici en tout cas, peut-être en bas. Ouais. Ouais, quasiment morte ma pioche en bronze. Pas besoin de plus. Voilà. Ah. J'aurai besoin de plus de blocs de chemin. Paf. Boum. 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 Voilà. Avant que tu poses la question, Martha, pas de Starfield avant un moment. Le jeu est bien, mais il manque clairement de certains contenus qui devraient être dans le jeu qui n'y sont pas. Le jeu par moment est vide. Oui, il y a beaucoup de missions. Oui, tu peux perdre des heures et des heures en exploration, mais au final, j'ai l'impression de tourner en rond rapidement dans le jeu. Pourtant, je suis loin d'avoir atteint le niveau où est-ce que tu étais rendu, là. Mon opinion pour le jeu. Il est vide par moment, mais il est pas mauvais. Non, mais même à ça, même si je ferais des quêtes, je trouve le jeu qui manque quelque chose. Il manque quelque chose au jeu, pareil. J'ai l'impression que le jeu a besoin d'un petit coup de pouce qui n'est pas encore disponible dans le jeu. J'ai l'impression qu'il y aurait besoin de contenu supplémentaire. Vite de même, j'ai vu qu'il y avait des mods qui rajoutaient le fait de sortir du vaisseau. Ça devrait être de base dans le jeu. Pouvoir avoir l'option de sortir du vaisseau, puis réellement, exemple, au lieu de faire des sorties extra-véhiculaires, ça devrait être implémenté de base dans le jeu. Le fait de pouvoir voyager rapidement, plus facilement, au lieu de passer par le menu, sélectionner ta planète, faire ton voyage. C'est des étapes en plus. Ouais, les véhicules aussi pourraient être bien parce que on s'entend, des fois tu fais de l'exploration puis tu viens rapidement trop lourd. Ce qui est souvent mon cas. Ah, bon petit chemin bien fait. C'est beau, un beau petit chemin qui nous mène directement aux abeilles.
Je t'aime. Le restant des blocs, ici, on peut ranger. On peut ranger. Ça, ça, on peut ranger. Ça, on peut ranger. Ça, je peux ranger. Ça, je peux ranger. Là, j'attends mon manioc. Il est à 18h sur 24. Pour terminer notre tourte. Notre tarte. Nous autres, ça s'appelle ça une tarte. 2520 saturation. Je pourrais aussi, je pense, mettre de la pâte par-dessus. Tarte à la viande rouge. Voilà. Mais comme dit, il y a beaucoup de... Moi, je trouve que... Il y a beaucoup d'étapes en trop. Moi, ça me freine dans mon exploration. Moi, si j'ai envie de quitter une planète et aller à la suivante, je veux avoir apaisé un bouton. Direction l'autre planète. Je peux pas dire... On peut pas dire directement on est au-dessus de la planète puis s'aligner sur un point et descendre sur la planète, atterrir directement. Faut qu'on aille dans le menu, sélectionne la zone d'atterrissage et on atterrit. On peut pas aller regarder un endroit random dans l'espace, aligner le vaisseau, peser sur la gomme et on va y arriver. Non, on est obligé de passer par un menu. C'est toutes des étapes en trop qui me sortent de l'exploration. Moi, si j'ai envie d'explorer, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de pas avoir de 50 chargements pour y aller. Là, actuellement, on a 50 voire 60 chargements pour tout simplement faire quelque chose qu'on pourrait faire avec un bouton. C'est mon point de vue. Le jeu est bien. Je dis pas le contraire. Mais, comme dit, il lui manque littéralement... une ou deux mises à jour. Mon opinion, l'année prochaine, le jeu va être insane. Il va être complètement insane. Après une ou deux mises à jour avec du contenu supplémentaire, le jeu va être quelque chose. Oups, j'avais peut-être mal calculé mon coût ici, hein. J'ai mis 3 de large ici, on va se mettre 3 de large. Bon, non, on va laisser pour l'instant comme ça. Mon étain est vide. J'ai presque plus de cuivre. Ouais. Bon, j'ai beaucoup de bronze éteint. J'ai de l'argent. Le fer est bas aussi. L'étain est... on commence à être dû pour faire une petite session minage. Et j'ai pas envie de faire une session minage. Honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais aller déposer... Je vais déposer la pioche pour l'instant. Besoin. Voilà. La pelle, elle, il lui reste 4 de dura. Ah bon, pété. Je peux même faire de quoi tout de suite. Ciao, bye. Faut que j'attende le manioc. On a notre manioc qui arrive. Ah. Que je puisse terminer ma tarte. Hey boy! C'est-tu bon ou ma barre de faim en fait? Chutou! Les pots... 37%. On va se faire un manteau avec ça parce que l'hiver arrive et il nous faut de quoi nous tenir au chaud. Et le manteau est une très bonne option. Et elle, il lui reste 12 jours. Ouais, de ce que je vois, des baies quelconques, du fromage, des morceaux de viande,
des types de fromage, je pense. Les champignons, la salade, du chou. Ok. Le manioc doit être dans l'eau. J'ai aucune idée comment fonctionne le manioc, s'il me faut un couteau ou pas. Il va me falloir par contre que je récupère une lampe à l'huile. Je n'ai plus de lampe à l'huile. Ce qui est problématique. J'ai plus de lampe à l'huile. Oh, t'as pu. Je l'ai sur moi. Avant qu'il fasse nuit. Il fait nuit, trop tard. On va y aller de suite. Avant que je l'oublie. Pour ce qui est du chemin qu'on va faire en direction de l'élevage, ça peut attendre encore. On a que un bœuf et un cochon. Voilà. Elle déborde même. Elle est full à gueule. C'est full à gueule. Je ne pense à quoi par contre. Je vais pouvoir récupérer toi. Direction la zone où je vais mettre. J'ai mis mes tonneaux. Pas envie qu'un drifter spawn là-dedans. Pouf, voilà. Ça éclaire pas assez, mais au moins c'est assez éclairé pour moi. Faut que j'attende. On a un personnage alcoolique en passant depuis tantôt. Je le saoule. Il me reste 6 litres de vin de canneberge. Je le saoule depuis tantôt. 90,3 jours. C'est encore bon un bout. Uhuhu. 22 heures. Comme là, actuellement, j'y pense. Peut-être qu'on va se faire du Cyberpunk 2077 parce que le jeu est complet aujourd'hui. Il est moins buggé, il y a plus de contenu qui a été rajouté. Donc théoriquement, là, c'est le jeu qu'on attendait depuis le début. Et là, littéralement, on peut s'amuser dedans. Là. Mais bon, pour l'instant, une chose à la fois. Je vais faire du vintage, parce que j'ai clairement envie de jouer à du vintage. J'ai plus envie de jouer à vintage que Starfield, honnêtement. Comme dit, le jeu est excellent, mais il lui manque ce petit je ne sais quoi qui me donne envie d'y rejouer. Comme hier et avant-hier, j'avais pas envie de laver parce que je me disais, ah, oh, je fasse du Starfield. Ah, oh, j'ai pas envie de faire du Starfield. Tandis que Vintage, je me dis, ah, du Vintage, yes! J'ai pas le petit nien, Vintage, nien. J'ai pas ce petit nien. Oui, Vintage, c'est redondant par moment, mais je fais des choses redondantes. Je prépare mes affaires pour le cuir, je prépare un peu à droite à gauche. Pendant l'hiver, on va devoir raser le champ. Trouver du terra preta si on a de la chance. Je dois en avoir marqué sur la map du terra preta. Je sais que j'ai un sapin résine ici. Je dois avoir du terra preta pas loin ici. Ça, j'en avais dans ce coin-ci du terra preta. De la tourbe. Tourbe. Oignon. Argile réfrac, de la tourbe, donjon, ruine. Je vais avoir du terra preta qui est pas très très loin, mais où exactement, je me souviens pas. Il faudrait que je le trouve avant l'hiver, parce que le but, ce serait
pendant l'hiver de refaire des chats au propre. Parce que là, actuellement, les chats sont en mode... Faudrait que j'alterne ma terre, mais bon, honnêtement, j'ai pas du tout alterné les cultures pour qu'ils soient efficaces. Là, on va faire trois champs distincts qui vont... On va alterner. On va faire un champ pour le lin, un champ pour les céréales, un type de nutriments, un autre champ pour un autre type de nutriments, puis un dernier champ pour un autre type de nutriments, et on va alterner. Et je vais regarder dans H, panneau, ingrédients pour, c'est donc bien pensé, je sais pas comment fonctionnent les panneaux, j'ai jamais utilisé, mais on va mettre nutriments, on va indiquer les nutriments en avant de chaque champ. À côté de chaque portillon de champ, on va indiquer chaque nutriment. À chaque fois qu'on va récupérer une récolte, on va la récupérer, on va mettre ça dans un coffre et on va alterner au fur et à mesure. On va tasser, clac, 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 clac. Comme ça, on va bouffer les nutriments équitablement dans chaque terrain, dans chaque champ, ce qui va permettre aux nutriments précédents de se régénérer. Un jour 24 heures du manioc trempé. Taux de séchage. Maintenant, peler ceci avec un couteau pour le rendre comestible. Pouk. Et ça, si je fais ça comme ça. Non. Se transforme en 1 litre de cassava juice. Je vais voir si je peux le mettre sur ma tourte. Ma tarte. Ah, ok, je peux pas. Bon. Il n'y aura pas de garniture sur ma tarte, malheureusement. J'aurais voulu... Ah, j'ai vu beaucoup de TikTok qui parlaient d'armes ultra pétées. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a un sniper ultra pété, il y a plein d'armes ultra pétées dans le jeu. Le 12, il est bien pété, mais le problème du 12, c'est qu'il est deux shots. Au corps à corps, t'arrives avec un 12 en pleine gueule, tu one shot. Silent Yan, lui, utilise la mitraille. Il utilise tout. Il a une arme de chaque type de calibre. Chaque type de munition qu'il y a dans le jeu, il y a une arme pour, dans sa barre d'action rapide, là. J'ai pas de dry fruit. J'en ai trouvé un à 6 balles dans un chargeur. Or, je peux pas la cuire parce qu'il y a pas de garniture dedans. Bon, ben, une tarte. Je peux pas terminer, ça m'énerve. J'ai moyen de la terminer. On va la terminer. On va la terminer. J'ai moyen de la terminer. On va la terminer. C'est ultra nourrissant. Ah, le mag shot, oui, je l'ai vu aussi. Je l'ai pas, mais je l'ai vu. Bien pété comme arme.
voilà. Ouais, là, il commence à neiger. On va en profiter tout de suite, on est à côté. La clôture parce que dès que la neige va arriver, il y a de fortes chances que les animaux se barrent. Voilà. La neige commence à s'accumuler. L'hiver est bien là. Comme dit, j'ai pas l'intention d'abandonner le jeu, mais pour l'instant, j'ai pas l'envie d'y reprendre. Je vais probablement reprendre le jeu un autre tantôt. J'ai commencé un let's play, on va le finir. Mais pour l'instant, comme toujours, j'ai toujours dit, je vais selon mes envies et là, actuellement, j'ai envie de jouer à Vintage. Et là... On surveille. Tout est beau ici, c'est bon. On peut aller ranger le restant. On va pouvoir... probablement, ça se fait comme ça, probablement. Oh, il va me falloir de la viande supplémentaire. Terminer la tourte. Je sais pas comment la finir. La tourte à la viande. La tarte à la viande. Voilà. Et là, faire exciprès carbonisé. On va les mettre là. Et là, elle, on peut l'envoyer à cuire. Pas sûr qu'elle va cuire en vrai. Je vais me renvoyer un petit peu de bois de chauffage dedans. Deux petites bûches. Pas besoin de plus. Juste pour faire remonter un peu la température au-dessus des 200 degrés. Parce que j'ai bien envie que ma tarte soit cuite et non... les pains, on va les grinder pour récupérer ça. Du Flax Breed Chris Crumble. C'est bon pour... c'est bon pour les soupes et les ragoûts. Ça permet de nourrir les poulets également. Oh. Je nourrirai pas les poulets avec, mais parce que j'ai pas prévu ramasser des poulets pour l'instant. Pour l'instant, je vais commencer par récupérer les animaux que je peux récupérer. Que j'ai à côté. Cochon, bœuf, mouflon. Faudrait que je trouve des mouflons. Voilà. Plus de 200 degrés. Je vais faire ça mieux. Voilà. Ça, on va laisser cuire. La viande, on va la faire cuire après.
Attendant à déposer ce qui me reste, c'est-à-dire ça et ça, avec ça. Ça, on va peut-être en avoir besoin après. On va laisser cuire. Elle est à moitié cuite. Cuire au complet. C'est la bouffe la plus nourrissante du jeu. Les tartes, ça permet de faire un mélange de plusieurs ingrédients différents. Dans mon cas, j'ai mis juste une tarte à la viande. J'ai pas mis autre chose. J'aurais pu mettre des légumes, des fruits, du laitage. J'aurais pu vraiment faire une tarte complète, ultra nourrissante de différents points, différents nutriments. Quand je vais manger ça, ma barre de protéines va faire pouf. Et ça, ça se mange pas comme ça. Il faut la mettre ici. Prendre le couteau. Ch'touk! Une petite part. Et boum! C'est nourrissant. Très nourrissant. Les céréales, protéines, ça a quasiment rempli d'un coup. Je mangerai pas inutilement plus que nécessaire. On va rester dans la limite du raisonnable. Il me reste un peu de vin. Je dois me rester du vin ici. Ah, j'ai un autre. Voilà, je suis vide. Un peu de vin juste pour dire que... Ouh! On a vu un petit coup. Bon. Tanin dilué, on l'a. Le tanin est dilué ici, il faut que je concentre. C'est la même proportion, c'est 10 pour une bûche. Ayant mis... c'était là-dedans. 20 litres. C'est deux bûches de chêne. Pour le concentrer. Boum. Et voilà. Tanin concentré que ça va nous donner. On va profiter, on va vider des pots et compagnie. Pot nonos. Elle est à moitié traitée. Ça. Le manioc. Je vais regarder dans H. Manioc. Trempé, séché, pain au manioc. Ce mou, ingrédient pour. Créé par. Pâte de manioc. Farine de manioc. Il faut du manioc séché. Couteau. Ah, il faut du séché. Mon manioc n'est pas séché, je pense. C'est du manioc. Il est toujours... Ah, il est quasiment sec, mon manioc. Il est quasiment sec. On pourra se faire du pain de manioc, le couper en rondelles. J'aurais probablement pu m'en servir sur ma tarte. Mais bon, mal, pas plus grave que ça. J'ai beaucoup, beaucoup de grains. Il va falloir que je ramène, je commence à, faire mon, à penser à faire mon cellier. Qui n'est pas encore prévu. J'ai pas encore décidé quand est-ce que je le fais. Parce que ma cuisine. Elle manque de garniture, disons-le comme ça. Elle manque de charme. Le manioc. 0% séché.
Là, il commence à sécher. Il était humide, là, il commence à sécher. Ok, on va laisser sécher. Dans l'inventaire, comme les pots qui doivent sécher, ça va nous faire de la fourrure. Bon, en attendant ça, j'ai-tu place pour ça? Non, on va te ranger là. Petit bout de chauffage. Niveau bois, j'ai déjà vu plus mieux. Herbe sèche, c'est pas dégueu. Mortier, il m'en reste encore. De la chaux vive. Il va falloir que je fasse de la chaux également. On va la faire tout de suite. Voilà. Il me faut de l'eau de chaux pour préparer les pots. Voilà. Et pour faire de l'eau de chaux, c'est H. Eau de chaux, c'est 1 litre pour une chaux. Et la chaux se fait avec de la pierre de calcaire qu'on va passer à la meule. Ça va économiser le marteau. Parce que là, un autre me montre la recette avec le marteau. Du calcaire, c'est pas ce qui manque. C'est un pour un. C'est ça? Le chaud. Ça, c'est un pour un, ça veut dire j'ai 20, ça veut dire qu'il va me falloir 20 pierres. Voilà. Ça, on peut enlever, mettre ici. Si jamais ça passe d'art, c'est bon pour un an et demi. Ça me dérangera pas. Pour la simple et bonne raison que ça va faire du compost. Et là, on va laisser la chose se faire. J'ai hâte vraiment de voir le prochain décadence. Parce que le piège qui est que je t'ai envoyé tantôt, s'il n'est pas dedans. Je serais un petit peu dégoûté. Mais comme tu dis, il est sur la couverture, donc. Ça m'étonnerait qu'il soit pas dedans. Mais on sait jamais. L'utiliser des jeux qui sont pas dans le film final. C'est arrivé plusieurs fois. Il y en a pas qui me viennent en tête. Mais il me semble que je l'ai déjà. Qu'ils nous ont déjà teasé des jeux qu'on n'a jamais vus. Me semble en tout cas. Me semble. Ouais, là, voyez, la map est en train de blanchir en grande quantité, là. Voilà, eau de chaux. L'eau de chaux, c'est quelle... Eau de chaux, c'est quelle proportion pour faire des pots? 40 pour la moyenne. Pour la grande. L'énorme. C'est 10 pour une énorme. J'ai 20. Je pense que j'ai 2 et j'ai 3 grandes pots. Ah, j'ai hâte de voir, moi. S'il y a un film que j'ai hâte de voir cette année, c'est lui. C'est lui que j'ai hâte de voir. Les autres films qui sortent cette année, j'ai rien envie de voir. Décadence 7. T'as peu. Décadence 9. On est rendu au 9. T'as peu. 7. Ça me gosse.
Film. Vite, on est au 9. C'est le 9e qui sort cette année. Le film que j'ai envie de voir. Ouais, ça on est. Oh non, on est. Le 8 est sorti. Ça veut dire qu'on est rendu au 9. Le 9 sort cette année. 5, 6. C'est ça. C'est 10? Non, 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 t'as peu. Ça veut dire, t'es en train de me dire qu'il me manque un deck, il me manque un ça. T'es en train de me dire qu'il me manque un ça dans ma collection de films. Impossible. Impossible. J'ai Final Chapter, le 8. Lui qui est sorti en 2017. Parce que j'ai pas le nom ici. Je vais regarder. Jigsaw. C'est Jigsaw. Là. Jigsaw. C'est lui qui sort en 2017, c'est le 8. Ah, t'as raison, Spiral, je l'ai pas. Spiral, je l'ai pas. Et je pense que je l'ai pas vu, Spiral. Final chapter 5. Ah ouais, c'est ça. Spirale. Ah oui, ça vient de me revenir. Oui, le film plate. Oui, c'est pour ça que ça me revenait pas. C'est un Seven-like. C'est un Seven-like. C'est même pas bon comme film. C'est le film qui c'est un Seven-like. C'est moi je le compte même pas dans les décadences. Je le considère même pas comme un décadence. Pour ça je l'ai pas, je l'ai jarté. Parce que théoriquement c'est ni plus ni moins qu'un décadence. Un Seven avec le gore tout simplement. J'ai pas retrouvé les pièges. Les pièges, on les voyait pas tant que ça. On assistait, on était impuissants. On voyait l'enquêteur qui endurait. C'était centré sur l'enquêteur Spirale. Tandis que les anciens décadences, t'es même pas centré sur l'enquête. T'es centré sur savoir s'ils vont survivre. Tu prends les paris, savoir qui va survivre à la fin. Là, dans Spirale, tu t'en fous de savoir qui va survivre à la fin et tu veux juste savoir si le gars va trouver le gars. Tu t'en fous. Moi, ça m'a complètement. J'ai pas du tout apprécié le film. Ça se regarde. Mais dans la série des décadences, ça n'existe pas. Il n'existe pas dans la série des décadences. On va se faire cuire la viande avant qu'elle passe date. On servait de ça pour recuire un coup, pour commencer la cuisson. Ça brûle vite, donc on va s'envoyer. Amanda, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Amanda. On est en pleine discussion philosophique sur les décadences.
Selon moi, le nouveau ça, j'ai l'impression qu'il va être bon. Moi, de mon point de vue, de ce qui a fuité comme information dans les teasers et compagnie, on revient aux sources. On revient sur... On laisse l'enquête de côté, on se fout de l'enquête. On veut ça, on veut du gore, on veut prendre les paris, savoir qui va mourir en premier. Savoir qui va survivre à la fin. On se fout de l'enquête, l'enquête est en second plan. Pour moi, un bon décadence, là, c'est l'enquête est en second plan. Tu suis les jeux. Tu suis le jeu. Tu te sens pas bien. C'est ça, c'est ce qu'ils nous ont teasé, c'est que ça se passe entre le 1 et le 2. C'est pour ça qu'Amanda est là. Ça se passe entre le 1 et le 2. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le film. Ça se peut qu'ils nous teasent. De toute façon, à la fin de Jigsaw, on a un nouvel héritier. Donc, le nouvel héritier, ils peuvent clairement nous faire un spin-off avec cet héritier-là. Il change son nom, qui devient pas Jigsaw, mais un autre personnage, puis ils ont toute une franchise à développer. Ouais, mais vu qu'on est dans le 2, John Kramer est encore là, il est encore vivant, il est pas mort dans le 2 encore. Donc ça va faire du bien. Honnêtement, ça va faire du bien de revoir John Kramer. C'est un bout. Ben, pas tant un bout que ça parce qu'on les écoute là, mais ça va faire du bien honnêtement, parce que c'est... on voit que c'est la série de films qui est en train de s'essouffler parce qu'ils manquent, ils ont de la misère à se renouveler. C'est, on veut voir du gore, oui, mais pas que du gore. On veut une histoire, on veut, moi personnellement, avec le film, j'espère qu'ils vont se détacher de John Kramer. Parce que le problème, c'est qu'on est rattaché à John Kramer. On est rattaché à Jigsaw. Et ils ont de la misère à remplacer Jigsaw. Donc, tant qu'à essayer de le remplacer, prenez quelqu'un, oui, qui peut être son héritier et compagnie, mais prenez quelqu'un d'aussi charismatique que lui, qui a les mêmes points de vue que John Kramer, et pète-les, soit un peu plus, un petit peu moins sadique que le policier, mais tout aussi zélé un peu, parce que clairement le policier il était juste sadique. Un de plus, on est bon. Parce que moi c'est ce que moi j'ai envie de voir. Je sais pas ce que toi t'as envie de voir, mais moi c'est ce que j'ai envie de voir dedans. Oh, une belle petite couche de neige. On a une belle couche de neige. Il y a de la neige partout. Ah. Il y avait un trou. J'avoue que les pièges, ben, la série des décadences, pas de pièges, c'est pas une décadence. Donc c'est sûr que les pièges vont faire du bien. Si on s'entend un bon petit piège, c'est toujours agréable. Mais en même temps, moi je cherche une histoire un peu plus profonde que... juste du piège, de la trappe et compagnie. Je cherche de quoi un peu plus profond. Comme dit, c'est moi. Ils peuvent sortir par ici. Alors que je change la portillon. Quand j'enlève le portillon.
bonhomme commence à avoir froid. Au moins, la neige ne ralentit pas le chemin. Oui, c'est ça, l'histoire a de l'importance, mais pas autant que moi je voudrais. Parce qu'on s'entend, un Jigsaw, tu regardes pas ça pour une histoire ultra compliquée, ultra recherchée. Tu le sais qu'il va y avoir du sang, de la violence, du gore, à gogo, tu le sais. C'est ce qu'on veut d'un décadence. Mais faut pas jeter l'histoire aux poubelles non plus, là. Faut que l'histoire se tienne, elle soit convaincante. Moi, si je suis convaincu du Jigsaw, je me cacherai pas, je vais avoir la go, là. Je vais avoir l'érection digne de ce nom. C'est un bon décadence, ça fait longtemps et j'ai hâte de voir un bon décadence. Bon. C'est pas sexy, mais bon, de ce que je vois, ils peuvent pas sortir. C'est bizarre. Il paraît que j'arde ça. Il faudrait que je mette deux portillons. Les mouflons. J'essaie de me trouver un. Oh, je vais peut-être aller me chercher une part de tourte avant. Une petite part de tourte à la viande. De tarte à la viande. À part, je commence à être dû pour manger un coup. Un bout. Ouais, un bon petit bout. Miam, 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 miam. Allons direction trouver une vache. Une petite vachounette. Que je vais ramener. Ouh, je pense que j'en ai une par là-bas. Une petite vachounette. Une petite vachounette qui courait dans l'herbe. Non. On a un bull. C'est un bœuf. Ici, on a un bœuf. Il me faut une petite mère. Un bol encore. Hey, il y a juste du bol. On a de l'argile bleue. Il me semble que j'ai déjà vu des femelles en plus. On a du terra preta ici. Auroch. Ah, c'est ça. Auroch Cow. Auroch Cow, c'est Medieval Extension qui rajoute ça. Il nous faut une cow. C'était évident là, qu'il me fallait une vache, là, mais. J'étais pas sûr qu'il n'avait. De quoi? Du panais. Bon, moi, c'est du panais, t'as qu'à faire. Je l'ai devant moi. Une petite vachounette, je vous prie. Une petite vache qui courait dans l'herbe. Je vais en avoir de besoin pour la traire. Il me faut une vachounette pour pouvoir la traire plus tard. J'espère qu'elle n'est pas par ici, la vache. Du bull. Ah. Ouais, je pense qu'il y a une vache. Il y a des vaches par là, je pense. Non, c'est des bûches. Vache peut-être par là. Peut-être par là, on va aller voir.
Oui, une vache là. Elle est loin! Elle est loin! Bon Dieu que j'ai une vache loin. Oh non! Elle ne veut pas se battre. Elle ne veut pas y aller où je veux. Allez, va par là. Va par là. Allez, ma petite mère. Allez, ma petite mère. Je vais te taper les fesses jusqu'à ce que t'ailles où ce que je veux. Allez pas sortir du contexte, s'il vous plaît. Je vous prie de ne pas sortir du contexte la phrase que je viens de tourner. Je viens de dire. Je vous prie, s'il vous plaît. Alors. J'ai même pas... ok. Elle refuse de coopérer. Il va falloir que je la trique. Il va falloir que je prenne le chemin long. C'est-à-dire la mangeoire. Il va falloir que je la tire avec la mangeoire. Et vu la distance que j'ai à parcourir, elle va être peut-être longue le chemin. Il n'y a pas de... là... pas de lasso. Une laisse. Une corde. Je sais pas si la corde fonctionne. Je vais aller voir, mais je vais ramener quand même la mangeoire pareil. Oh, t'as peu, il y a moyen d'aller vite. Petit chemin. Allons chercher la petite mère. J'ai besoin. Hey, le chemin est long par contre. J'espère que la corde fait la job. Si la corde fonctionne, on est bien. Oh. 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 Bon, on va passer par la barne. Hey, la mangeoire, s'il te plaît. Je l'ai rangé ici. Je vais en profiter quand même, prendre, voir s'il me reste des quenouilles qui traînent à droite à gauche, qui sont pas pris par les glaces. Attends, en voilà. Quatre. Corde. Un petit part de tarte à la viande quand même. Puis là, vu que je suis trempé. Trempé par la pluie, ma température corporelle va rapidement descendre. Ça. Voilà. Espérons que la corde fonctionne.
pas très sûr que ça va fonctionner. J'ai peu d'espoir que ça fonctionne. Mais qui n'essaie rien, qui n'essaie pas, n'échoue pas. C'est quand même pratique qu'il y ait de la glace. On a quelques mètres de vitesse. Allons voir notre petite mère qui va me faire un petit haut. En espérant pas tomber sur un ours ou sur des loups. En espérant. Il va falloir bien qu'à un moment donné, je me décide à grimper dans les arbres et me débarrasser des feuilles et des feuilles. À un moment donné, quand l'envie va me prendre de plus savoir quoi faire, elle est là. Ça fonctionne pas! Bon, petite mangeoire. Allez, allez ma petite mère, allez, t'es bien parti ma petite mère. Tu viens ma petite mère? Ah ouais, viens me charger, charge-moi, charge-moi. Tu viens? Allez. C'est le meilleur moyen de la ramener. Ma petite mère! Ah oui, viens, 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 vite, vite, ma petite mère! Chasse papa, chasse papa! Viens ici, ma petite mère! Ah oui, viens, suis papa, suis papa! Tu viens? La 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 la, ça fonctionne. Allez, allez, vite, vite, vite! Non! Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais! Bonhomme commence à geler!
As-tu fini de se calmer? Voilà. Ah ouais, rentre dans le tour, rentre dans le tour, rentre dans le tour, rentre dans le tour. Voilà. Je suis en train de me geler le cul! Mais voilà. Juste faire un petit. Coup dans la mangeoire. Direction le réchauffage. J'ai quasiment plus d'écran tellement mon homme est gelé. Il est à 32 de température. Voilà. Le feu est plus chaud. On va se réchauffer un petit coup vite. Voilà. Ça va y faire du bien, là. Voilà, il se réchauffe. Ça y fait du bien. Je vais y en laisser un autre. Les pots. Je suis quand même content. Là, on a nos vaches. Sont faites. Il va falloir qu'on fasse un enclos pour les cochons à part. Ainsi qu'un enclos pour les mouflons. Si on va. Je préfère avoir des cultures, des élevages séparés. Ça nous donne une chance. Ça donne une chance de pas trop mélanger le bétail. Ah, quand même fait du bien. Bah, si je regarde, ma bouffe, c'est plein. Ok. Il me reste une part. Je peux me faire des bandages aussi, j'ai pensé à ça, j'ai pas mal de lin. C'est C. Non, c'est pas ça, c'est H. Non, c'est E. Paf. Paf. T'as peu là. J'ai pas du tout fait la bonne affaire. Un bandage. Ah, c'est couteau avec une carpette. Avec un morceau de tissu comme ça ici. Avec un couteau. Voilà. Ça fait du bien. J'ai récupéré pas mal sa vie. Bon. Les nonos ici, la corde au final, elle m'a servi à rien. Les grains ici. Les pousses plutôt, les graines. On a de la du quartz qu'on cassait. Je peux ranger ça. Le petit portillon, on va le ranger ici. Il va me falloir un autre portillon en vrai parce que la porte fait tâche. Deux portillons vont bien faire la job. Ça, il me reste encore du temps. C'est encore bon. Faut que j'attende. Malheureusement, faut que j'attende après les pots. Euh.
Ça, ce que je mange, ça donne des... du légume, c'est ça? Ouais, du légume. Ouais, ça donne pas une tonne de satiété en légumes. Ça donne 100 saturations de légumes. Je vais me faire... du fer. Falloir ça. Ça. Marteau. Et on a lu. Allume, s'il te plaît. On va se faire une pelle en fer. Mine de rien, ça va être utile. Il va falloir que j'aille chercher de la terra preta. Qu'on avait vu qu'il y avait dans ce coin-ci. Dans le coin-ci. On va jarter le champ en attendant que... avance quoi. 2 jours, on va pouvoir travailler, mais 2 nuits, avec le ma... tant qu'on n'a pas de manteau, on peut rien faire. Et là, on a du drifter qui spawn. Au moins, on n'a plus de drifter en tout cas qui spawn en dedans. Si ça spawn, c'est probablement au bout. Ou ça peut spawner ici parce que c'est mal éclairé. Falloir que je ramène Millie par contre. Ça, j'ai toujours pas décidé où je veux mettre Millie. Toujours pas décidé. On va attendre après, par contre, ça. Il me faut une pelle. On va se faire tête de pelle en fer. Au moins, j'ai pas perdu la main. Je me souviens encore comment faire. Mais la forge, comment faire la forge, je m'en souviens encore. Pas pire. C'est fait. Next, il va me falloir une faux que j'ai vu qui était bientôt à sec. Ma faux est quasiment morte. On va se faire une scie également. J'avais pas prévu ce fer-là pour ça, mais il est jamais trop tard pour changer d'idée. Des outils en fer, c'est bien. Voilà, il me reste qu'à couper, à retirer de la matière. Et on est bon. La faux va être faite, la scie. Et on va regarder pour faire un autre outil, probablement une pioche, parce que j'ai plus de pioche. Sauf si on veut aller plus vite. On va faire ça. Voilà, ils sont bons.
On va se faire, comme dit, si et faire que sans faire, peut-être de où, c'est quoi comme couteau? Alors, on va arrêter de niaiser là, je vais faire comme dit pioche, commencer par la scie. C'est ce qui est prioritaire actuellement. Parce que ma scie est presque morte. La petite pioche. Malgré qu'un marteau serait pas de refus, mon marteau il commence à être pas loin d'être mort. Ça va nous être utile beaucoup plus tard. C'est marqué « Tue en un coup les animaux de 3e génération ou plus ». Ça permet de one-shot les animaux pour éviter que, de 1, ils souffrent, et de 2, ça rameute tous les autres. Porte à four, à coq. Ça, il va nous en falloir. Plus tard. Priorité, c'est une pioche. J'ai plus de pioche. Théoriquement, je devrais arrêter, là, mais là, je suis dedans. Là. On va arrêter après avoir fait nos outils. Puis si Joe peut se lever, je vais aller remplir la mangeoire avant de couper. On coupe ça. On retire la matière. Ah, puis pour finir l'histoire aussi des décadences, c'est qu'il joue beaucoup avec notre corde sensible de « Ah, oh, mais Jeff, toi t'étais mieux quand c'était Jigsaw, toi t'étais mieux quand c'était Kramer. Ah, tout était meilleur. » S'il vous plaît, faut que ça évolue la série, là. Le personnage, vous l'avez fait mourir. C'est normal que vous vouliez faire d'autres choses avec un autre bonhomme, là. C'est normal. Une faux et une pioche. C'est normal. Puis ça va tout aller là-dedans. La pioche appelle. Voilà. On va pouvoir envoyer ça et marteau.
J'avais une autre pioche ici qui était. C'est elle qui était quasiment morte. Des petites peaux. Fourrure. Tac, tac et tac avec un petit coup de poignard. Et voilà notre manteau. Boum. Ah, manteau. Voilà. Maintenant, on a une bonne température corporelle. Ce manteau de roturier, ça, il n'y a rien à faire, je pense, avec. Peut-être avec du lin, peut-être. Avec ça peut-être. J'essaie de voir si je peux réparer le linge que j'avais. Non. Non. Avec du fil. Si je fais H. Roturier. Là, j'aurais marqué chemise. Chemin en bois. On peut se faire des chemins en bois aussi. C'est des planches, puis clac-clac. Ça nous permet de faire des chemins en bois. Vitesse 1.2. Si je regarde les chemins en pierre, 1.3. On est plus rapide sur des chemins en pierre. C'est ce qu'on a utilisé. Là, le chemin de pierre, vous voyez, on peut se faire des dalles. On va se faire des dalles aussi, mais je n'ai pas le choix. Escalier. Des escaliers plutôt. Des escaliers plutôt. Moi, c'est chemise. Chemise de taille. On peut pas crafter ça. Chemise de survivant, non. Chemise en laine. On oublie. Ah voilà, chemise de paysan. Si je fais étoffe. Voilà. Avec des étoffes, on peut faire tisser à la maison. Si je fais chemise pastrol, c'est 2.5. Ça, c'est 2. Pastrol. Et pour un kit de couture. On peut faire un kit de couture. Ah, ça, je peux pas le faire. J'ai pas la caractéristique de drapier. On peut pas le faire. Drapier, j'ai pas. Ah, ça, on oublie le projet. J'ai pas de colorant. Ça veut dire que c'est... Soit c'est tissé à la maison. C'est du tissé maison qu'on peut faire. L'autre, on peut pas. Qui se fait avec des étoffes, qui se fait avec carré de lin et avec ça, avec un stick. Donc, carré de lin, stick, paf. Voilà. Chemise tissée. Maintenant, on peut se débarrasser de ça. Chemise tissée. Boum, voilà. Pantalon. Je vais me débarrasser de manière efficace. Ça, ça vire. Ça, ça vire. On va se faire... On va prendre du lin. Et on en a un bon paquet. Voilà. Carré de tissu en masse. Ben, en masse, en masse. C'est un grand mot. Si je regarde,
Tissu. Si je regarde ici. Pantalon tissé à la maison. C'est comme ça se fait. Ok. Ah, bah, c'est pas si pire. Voilà, pantalon. C'est. Voilà. On se récupère un petit peu de température. On garde un peu mieux notre température maintenant. L'heure qu'il est 3h30 du matin, 3h15 du matin. Maintenant, pour ce qui est des bottes. Botte haute. C'est du cuir noir avec la ficelle. Bon. C'est non. Botte usée en cuir. J'aimerais des bottes non usées en cuir. Botte en métal. Ça se crafte pas. Ah, botte haute en cuir. On va se faire ça. Ça donne de la température en plus. Chaleur maximale, on obtient 1. Puis ça, je pense qu'on peut les réparer. Je vais regarder là, mais me semble que ça, si je mets ça à côté, il y a moyen de la réparer, me semble. Me semble. Bon, en attendant, on va pouvoir ranger ça à l'intérieur ici. Oups, on va devoir faire cuire. Allez, j'ai sur moi. Non, c'est ça. Pour moi, c'est ils ont besoin de trouver un antagoniste qui va remplacer John Kramer. Parce que c'était beau l'idée que les disciples de John Kramer, mais à un moment donné, les disciples, il y a eu de la merde dans ses deux premiers disciples. Un troisième, ils l'ont complètement tassé, le médecin, ils l'ont tassé tout de suite. Celui qui était dans Jigsaw, on l'a vu juste dans Jigsaw, puis on l'a plus jamais revu. Me semble qu'on l'a pas revu. Il me semble qu'on l'a pas revu depuis. Bon, vite de même. Il va neiger et ça va m'énerver. Hein. Mais là, si je regarde. Je pense que ma température ne bougera pas. Mais on a quand même pas mal de foin pour nourrir notre bétail. C'est quand même bien. Ben, bien. On n'a pas une tonne de foin, mais on en a quand même un petit peu. Si jamais on en a encore de besoin. Oups. Ah, vous voyez ce qui se passe quand on passe dans une faille temporelle? Regardez-la. Regardez la roue qui se. Elle s'affole! Avec. Voilà. Bien rempli. 8 portions. Ah ouais, elle accepte aussi les balles de foin. Très acceptable pour les sangliers. Lui. Prêt à s'accoupler. Elle. Bon. Lui n'est pas prêt à s'accoupler. Lui. Bon. C'est correct. Bon. Quand même content à date. On va manger un peu de manioc encore. Le dernier manioc qui me restait. Oups, coincé. Merci. Ok. Bon, comme j'ai dit, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Quand même content, on a bien avancé. On a nos
Je viens de voir que... Ah non, c'est des vêtements que j'ai jetés tantôt. Ouais, pantalon, chemise, puis manteau. C'est ça. Je regarde ma température. Elle n'a pas du tout bougé. On va enlever ça. On a un petit peu de bouffe. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant. Pour ce qui va être de la construction, il va falloir qu'on se donne une go pour terminer au moins le design principal. Parce qu'on s'entend là-dessus. Sur les piliers ici, je vais mettre... peut-être pas sur ceux-là. En tout cas, peut-être en alternance, une torche là, une torche là, ici. Faire une alternance, un zigzag. Fait que dans le fond, ou peut-être des torches de chaque côté. On peut le faire aussi. Ça va coûter cher en torche, par contre. En porte-torche. Qui sont en laiton. Et le laiton, j'ai plus grand laiton. Et le laiton, il se fait comment déjà? Quelque chose qui manque aussi dans Starfield. Je t'écoute. Cassitérite. Lingot d'étain. C'est du zinc et du cuivre, je pense, pour le laiton. Si je fais laiton. Lingot de laiton. C'est ça, c'est du zinc et du cuivre. Cuisiner. Fond cuir. C'est exactement ça. Ça, je suis pas sûr si la bouffe, tu peux. Ben, les soins, tu peux les ajouter dans tes favoris. Même chose pour les armes. En tout cas, de ce que j'ai vu, tu peux les mettre dans les favoris. Si tu peux les mettre dans les favoris, c'est correct, mais t'as pas grand plat dans tes favoris. Donc, il devrait probablement rajouter une option. Ouais, une option pour rapidement utiliser au moins un kit de soins, mettre une touche pour le kit de soins, mais ça, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Ah, ok. Une option pour soigner automatiquement nos malus. Ok, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, tu souffres, comme tu dis, d'un carré rouge ou d'un carré triangle mauve. Exemple, une pneumonie ou des affaires du genre, prendre automatiquement, avoir l'option, si tu as le soin sur toi, de la prendre automatiquement. De te demander, veux-tu prendre le remède pour te soigner? Ça, ils peuvent le rajouter. Et honnêtement, cette option-là rajouterait beaucoup de facilité au jeu parce que d'avoir l'option, ça serait déjà un must-have. Ça permettrait beaucoup de choses. Bon, si je regarde, niveau zinc, on est bon. Ici, pour ce qui est du cuivre, en vrai, cuivre... zinc, on a beaucoup de zinc. Il me reste encore du nickel ici. Ouais, on est dans la merde. Niveau cuivre, il me reste plus de cuivre. Ou presque. Bon, on va se faire un peu de laiton avant de couper. Un bout que je dis que je veux couper, mais là, ça, c'est pas un problème. On va prendre tout ce que j'ai et on va mettre ça. On va couper et on va augmenter. Jusqu'à arriver. Oups. Au maximum. Là, je peux faire ça. Comme ça. 100, c'est trop. 50, c'est trop.
Et j'ai atteint le maximum. Un de trop. Voilà. Comme je parlais pas de ça, mais ça que ce que tu dis, ce serait intéressant aussi. Comme la bouffe, au lieu de prendre la bouffe qui aurait une option de la bouffer. Ah ok, ouais. Parce que la bouffe nous soigne, mais il faut aller dans l'inventaire pour la bouffer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Y a pas cette option là si tu vas t'asseoir à la table à manger du vaisseau? Je pose la question là, j'ai pas essayé. Et j'ai pas envie d'aller essayer. Tiens, on va envoyer ça. On va se laisser le laiton cuire. Moi je vais laisser le laiton cuire, il va nous rester 65 unités de laiton. Pas grave. Ouais, mais dans Skyrim, c'était... J'avoue que, vu qu'il l'avait dans Skyrim, il aurait dû mettre cette option-là de base. Mais bon, il y a beaucoup de choses. Comme j'ai dit, donnons le temps au jeu, là. Donnons le temps au jeu. Le jeu vient de sortir. Dans un mois et demi, deux mois, peut-être l'année prochaine, courant de l'année, début de l'année, ils vont peut-être nous pousser une ou deux mises à jour qui vont, d'ici là, on va peut-être pousser une ou deux mises à jour qui rajoutent du contenu. Là, ils fixent des bugs à grande pelletée au début. C'est ça, aux mises à jour, ils vont nous rajouter des nouveautés. Fait qu'ils vont probablement nous rajouter l'option de bouffer. Ils vont peut-être nous rajouter des options, parce qu'à un moment donné, là, mine de rien... Et une option, j'ai vu, qui serait bien chiante, mais qui devrait être mise. C'est l'obligation de dormir. Ou avoir des malus si tu dors pas. Comme dans Minecraft, par exemple, si tu dors pas au bout d'un certain temps, t'as des fantômes qui spawnent dans le jeu. C'est une question de santé mentale. De temps en temps, faut que tu dormes pour te restaurer un petit peu ta santé mentale et ça te permet de te soigner, d'avancer le temps, supplément. Dans le jeu, il pourrait nous rendre un petit peu moins alerte. On aurait un léger malus. Pas de quoi bien méchant, juste une petite affaire, juste un petit... qui ferait juste dire « Je vais aller me coucher juste pour pas avoir le malus. » Quelque chose dans ce style-là. Ça, c'est de quoi que moi, personnellement, je trouverais, rajouterais de quoi au jeu. D'ici à ce qu'il fasse, il y a un pot à faire. Bon, les pots trempés, on les ramasse. On peut passer un petit coup de couteau pour travailler, nettoyer. Les pots nettoyés, il faut les balancer là-dedans, dans le tanin dilué. Et voilà, ça va nous faire des pots. Ouais, un mode survie, tout simplement un mode survie. On est dans le jeu comme si on était en créatif. Tu suis l'évolution du personnage, mais t'as pas les malus du jeu. Moi, j'aimerais qu'il rajoute une option survie. Il y a l'option hardcore. Non, tu as une option hardcore? Non, j'ai pas vu qu'il y avait d'option hardcore. C'est un autre jeu que j'avais pensé. C'est Vintage Story que j'avais pensé qu'il y avait une option mais hardcore. Ce que ça vient de me popper dans la tête. Mais ce sont de soi. Mais une option survie, ça serait bien plaisant. C'est de quoi que moi, personnellement, me ferais dire « Ah, j'ai envie d'y retourner. » Parce que là, actuellement, je rentre sur le jeu, je me dis « Une fois que mon inventaire est full, je vais vendre, c'est fini. » En passant, j'ai vu où trouver, où acheter les aligneurs. Mais c'est une quantité limitée que tu peux acheter. Je ne sais pas s'ils font un stock, ce qui serait logique qu'ils refassent un stock. Mais t'as une quantité limitée que tu peux acheter d'aligneurs. 3 uniquement. C'est ridicule. 3 aligneurs. Mais bon, au moins tu peux en acheter.
Un mode hardcore aussi en jeu serait bien. Parce que, honnêtement, exploration, pour moi, ça rime avec hardcore. Hardcore et survie. C'est deux choses qui riment avec exploration pour moi. De quoi que je retrouve dans Vintage Story. Je suis obligé de manger, je suis obligé de m'abriter, de surveiller ma température. Je suis obligé de surveiller énormément de paramètres pour éviter de crever dans le jeu. Et le jeu ne me fait pas de cadeau. Le jeu attend juste le moment où je baisse ma garde pour me faire bouffer la... bouffer mon acte de naissance. Bon, espérons. Moi, je dis que plus tard, il va probablement avoir les mêmes fonctionnalités que dans Skyrim, parce que Skyrim a été ajouté plus tard, le mode survie. Ah, ben, c'est sûr que c'est ce que je me dis depuis tantôt. C'est ce que je dis, c'est ce que je me dis. C'est sûr qu'il va avoir beaucoup de choses rajoutées au fur et à mesure de l'évolution du jeu, comme un mode survie, ce genre de choses-là. Oh, je préfère passer par la porte. On est coincé. Portion console prête à s'accoupler. Voilà. Oh, c'est cousin, Mister. Elle est prête à s'accoupler, mais lui ne le veut pas. Lui est pas en mood de. J'ai la gueule, genre. Hey. Accoupe-toi, mon homme. Tu sais rien qu'à ça, toi. Autant le porciner, si je regarde. Sanglier. Il n'y a qu'un sanglier. En espérant, on finit par s'accoupler. C'est censé être Skyrim-like, mais il y a quelques fonctionnalités qu'il n'y a pas dans Starfield et qui est dans Skyrim. Ça ressemble plutôt à Fallout-like. Ouais, mais y a, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore dans le jeu. On n'est même pas sûr qu'ils vont être dans le jeu plus tard. Moi, je laisse le temps aller. Ouais, le jeu est fun pareil. Je dis pas qu'il est pas le fun, le jeu. Je dis juste que je finis par m'emmerder. Je m'emmerde sur le jeu. Il y a beaucoup de choses à faire, mais à un moment donné, je trouve que j'ai tout fait. Je vais refaire la même chose encore et encore et encore, c'est-à-dire d'aller sur une autre planète, la scanner au complet, ou je vais me faire une quête qui va me faire avancer dans l'histoire un tout petit peu, ou me faire progresser dans une alliance ou quelque chose du genre, me faire progresser dans certains skills, mais au final, je me fais chier. Ah, les jeux spatiaux, j'adore. J'ai toujours adoré les jeux spatiaux également. Il y a un jeu spatial que j'ai jamais fait en live. Peut-être que je le ferai à un moment donné. Prochain, si je me refais un autre, pas Sabaton, mais un autre, peut-être pas un 24, mais au moins un 12, ouais, peut-être un 24. On se fera le jeu en question. Pas de suite, en tout cas un 24 heures, là, j'ai pas l'envie de faire un 24, puis j'ai pas la patience de faire un 24 aussi. Prendre la faux en bronze. Ça, ça. Ça. Ça à la place. On récupère ça. On va se débarrasser du foin. On va devoir récupérer du foin. Ah ouais, où? Oups. Je peux pas le récupérer. Il est sous la neige, je peux pas le récupérer. Si je veux le récupérer, il faut que je fasse ça. Et c'est un à la fois. Non, merci. Voilà. C'est sûr que l'expansion peut sembler longue. C'est pour ça que je mixe. Je fais des quêtes, puis je me suis donné des quêtes, j'explore. Ouais, mais. Mais bon.
Je trouve qu'à un moment donné, t'arrives au point que tu sais que ce que tu vas aller faire, tu l'as déjà fait 50 fois. Parce qu'à un moment donné, les 50 fois que t'as fait, à un moment donné, moi, ça me tente. C'est pour ça que je préfère revenir sur Vintage, progresser dans l'histoire, avancer plus que l'autre. Parce qu'à un moment donné, lui, j'ai l'impression d'avancer dans Vintage, tout simplement. Le fait que j'arrive au premier rivage, je suis dans le premier rivage du jeu, que je viens de mettre des animaux en élevage, au moins mes bœufs, j'ai l'impression d'avancer. Là, il faut que j'endure l'hiver, qui va être très longue. Faut que j'endure l'hiver, il va être excessivement longue. Voilà. Parce que le petit entrée est plus là. Et là, le fait que je fais du laiton, ça va me permettre de refaire des porte-torches. Et les porte-torches, on va devoir en abuser encore. Parce que ici, j'ai une torche. Ouais, c'est généré. Généré procéduralement, oui et non. C'est un mix du procédural. C'est un mix. C'est mixé. T'as un petit peu. Toutes les planètes, t'as le même nombre de planètes, mais on n'a pas nécessairement la même shape des planètes. C'est-à-dire que moi, je peux me pointer sur une planète que toi, t'as déjà explorée, et j'ai pas du tout la même faune. J'ai pas du tout la même chose sur la planète que toi, mais il y a toujours les mêmes bâtisses, plus ou moins les mêmes loot dans certains types de bâtisses. Bon, à un moment donné, j'aimerais un peu plus de variété quand je lance le jeu, tout simplement. J'ai pas l'impression d'avoir la diversité quand je lance le jeu. Je sais que je vais tomber sur telle ou telle chose. Je trouve ça redondant à la longue. Ça ne regarde que moi, c'est mon opinion, évidemment. C'est ça, c'est plus ou moins la même chose, hein. On a tous la même base de planètes, mais il y a plus ou moins un petit peu de variété dans les planètes. Ça comme ça. Ça comme ça. Escalier. Escalier. Puis la planète est pas entièrement explorable. T'as qu'une petite map. De Mass Effect, tu parles? Ou de Starfield? Mars, ok. Parce que Starfield, t'es quand même limité hein, dans la grandeur de map. T'es obligé de. Quand tu marches 10 minutes dans une direction en ligne droite, t'arrives à un mur invisible. Je l'ai atteint en live. Premier live, je l'ai tapé le mur. Premier ou deuxième live? J'ai tapé le mur. Je n'ai pas fait de cas, mais on a tapé le mur. Là. On va se mettre des escaliers, là, j'y pense, là. J'en ai un peu, là. Voilà. Ici, je mettrai un bloc de chemin. Ça marche comme ça. Bon, c'est de quoi qu'il n'y a pas dans le jeu, par contre. Hein. Mais ça, je peux l'arranger. Ça ici.
La map fait une certaine grandeur pour accéder à une autre map. Faut que tu t'atterris. Ouais, c'est ça, mais quand même, t'es obligé de sortir, de retourner dans l'espace pour risquer de te refaire pogner par les pirates. Parce que honnêtement, les pirates, c'est une plaie. C'est une bondue de plaie, les pirates. Plus plaie que les pirates, y'a pas dans le jeu, honnêtement. Tu sors de la planète, pirate. T'arrives en bordure d'une planète, pirate. Il y a pas une fois où j'ai voulu sortir d'une planète qui avait pas de pirate. C'est infernal. C'est infernal. Puis même quand j'arrive la première fois, il y a pas de pirate. Quand je veux sortir, il y a des pirates. Excuse, mais ça me fait chier. On va sortir les moules à lingots, par contre. T'as juste ouvert ta main de la planète pour tirer n'importe où, tu changes de planète, tu risques de tomber sur des pirates. Je le sais, c'est le truc que j'ai trouvé pour éviter de tomber sur des pirates. C'est, faut absolument que tu barganes pour éviter des pirates. C'est infernal. T'es obligé de barganer pour éviter les pirates. Y'a pas de moyen legit d'éviter les pirates. Faut absolument que tu zigonnes, tu fais des... T'es obligé de zigonner, moi ça m'énerve. T'es obligé de zigonner. C'est un enfer, ces pirates, par contre. Internet. Bon, au moins, niveau laiton, on va se remettre bien. 29 lingots. Ben, bien. C'est un grand mot, là. On va quand même en récupérer un petit peu, là. Puis après ça, on va arrêter, là. J'ai bien fait. J'ai fait mon 3 heures. Je pensais pas faire 3 heures de live aujourd'hui. Quand même content d'avoir fait 3 heures pareil. Il me reste du laiton ici. Leave plus shift ajouter. Leave plus shift. Ah! Ah! Oh! Il fallait savoir. Bon, ben on va aller se refroidir. L'hydromel, il me reste encore beaucoup d'hydromel. Fait que j'ai encore de quoi me saouler à masse. Je vais enlever ça. Descendre ça. Enlever ça. Faut pas oublier aussi que Starfield est basé sur le réalisme côté explo. C'est comme notre univers, si on pouvait explorer comme dans Starfield. C'est... Honnêtement, dans la vraie vie, il y a tout. Aujourd'hui, là, on prend le principe, ok? On part du principe que Starfield est la réalité, ok? On tombe sur Mars. On va sur Mars. Excuse-moi, mais le moindre caillou qu'on trouve. Va être une découverte majeure. Là. Le moindre gravat est une
une avancée majeure. Il y a des larves qui rien sur la planète, on s'en bat les couilles. Juste la planète, le fait qu'elle existe, fait en sorte que qu'on puisse aller dessus. Ah ouais, je suis quand même mieux ça. Fait en sorte que ça vaut, ça vaudrait énormément la peine. Même si on se dit, oh, elle est vide la planète. Ouais, mais on a quand même une planète qui vaut tristement la peine. Bon. J'attendrai pas que les lingots de laiton solidifient, là. Pour arrêter, là. Le laiton, 29 lingots plus ça, on va avoir 32 lingots. Il fait... Ça, c'est 2. Ouais, 2 lingots ici pour faire ça. En 2, si on fait 16. Porte-torche. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh! Avec tout ce que j'ai là, j'ai un petit peu plus que ce qu'il faut pour remplir ce côté-là. Et je devrais être bon pour en mettre la moitié de ce côté-là. Le restant de ce côté-là. Je mets beaucoup de torches. Beaucoup. Et en plus, il me manque une torche ici, en plus. Et ici, c'est l'endroit où il faut que j'arrête de creuser. Que je commence à creuser la grosse pièce. Parce que la pièce va venir jusqu'au coin ici, voire plus loin. Et il faut se dire aussi que créer 1000 planètes à la main, le jeu aurait probablement jamais sorti. Oui, ça c'est un fait. Mais, il y a moyen, dans un code procédural, de dire que tu veux qu'il y ait au minimum telle ou telle chose sur la planète. Au minimum. Et je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais en tant que programmeur novice, je vois comment le faire. C'est dans le procédural... T'as une option pour le faire. Tu peux rentrer ton code, mettre une ligne de commande qui fait en sorte de mettre minimum, tu mets ça sur la planète. Minimum. Et dans les structures, ils ont clairement, si on utilisait la bonne méthode pour créer les planètes avec des structures, il y a moyen d'en rajouter à la pelle des structures. Il y a moyen d'en rajouter à l'appel. Si on utilisait ce que je pense, ce qui est un dictionnaire, tu vois dans le dossier du dictionnaire, tu rajoutes des structures. Tu les rajoutes. Tu modélises de nouvelles structures, tu rajoutes des défis, des boss, un boss sur une planète. Tu rentres sur une planète, t'as un boss à buter. Moi, ça ferait mon bonheur. Là, je vais sur une planète, je finis la scanner, je me barre. Tomber sur un boss événementiel, sur chaque planète, tu te dis, bon, il y a un boss sur la planète, faut que je le trouve, faut que j'y fasse sa fête. Ça, moi, je suis très prêt. Mais il n'y en a pas. De temps en temps, tu peux tomber sur... certaines petites choses. Elles sont moues, là, mais je vais arrêter, là, voilà. Sauver et quitter, on va arrêter là-dessus. Le beau fond d'écran.
Ils viennent de me faire une mise à jour. C'est des mises à jour serveurs qu'ils font. C'est pour faciliter la vie des serveurs. Ils en ont rajouté, ils ont modifié les choses. Fait que c'est plus facile pour les serveurs. Oui, mais si tu te barres, la bébite, elle se barre elle aussi, elle se barre ailleurs. Mais c'est même pas un boss. Si tu lis ce qui est écrit dans les journaux, c'est pas un boss. C'est ce qui a buté tout le monde dans le labo. C'est pas un boss. Tu vois, sur les autres planètes, il y a des labos robotiques abandonnés. Il y aura pas pareil. Il y aura pas de boss pareil. C'est ce qui m'énerve. C'est oui, il y a un boss. On peut considérer un boss. Mais une fois que tu l'as buté, il n'y a plus de boss. Dans le jeu, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ce que je trouve dommage. C'est moi, ce que j'aime, exemple, quand je pars sur Minecraft, OK? Quand je fais mes mod packs, je fais mon mod pack, j'aime mettre des donjons. T'es pas obligé de les faire, les donjons. Mais quelqu'un qui veut explorer tombe sur un donjon, se tape un boss. Le boss peut être redondant. Ça peut être 50e fois que tu te tapes un boss, mais il y a un boss. Il donne de quoi? Et il y a quelque chose qui donne. Tu vas t'en servir. Dans mes modpacks, tu vas t'en servir. Le premier modpack que j'ai fait, Midgard, on ne servait pas des objets des boss parce que j'avais pas fait de questbook et je l'ai fait assez light, Midgard. Prochain modpack que je fais, j'attends encore quelques mods qui sont pas encore disponibles pour commencer à travailler dessus, mais les items des boss vont servir. Ils vont servir. Mais c'est quelque chose que moi j'aime quand j'explore. Tu tombes sur un donjon, tapes un boss, et plus tu te casses. Tu tapes un boss sur une planète, même si tu dis la planète est désolée, il n'y a rien, il y a toujours de quoi faire sur une planète. Toujours, 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 toujours. Il n'y a rien qui est acheté sur une planète. C'est ça que je trouve dommage dans Starfield, c'est que tu vois sur une planète, t'arrives, tu scannes, fini. Une fois que tu as scanné, c'est fini, tu reviens plus. T'as fini, tu reviens plus et c'est fini. L'avantage de scanner, c'est que tu vois les ressources. C'est ça l'avantage, c'est que quand tu as besoin de ressources, tu scannes. Bon, j'ai besoin de ressources, je m'en vais là. Fini. On y touche plus. Malheureux. C'est malheureux. C'est. Moi. J'aime le jeu. Je le dénigre, mais j'aime pareil le jeu. Mais je me fais chier. Je me fais chier. Moi, j'aime que ça bouge dans un jeu et à part faire 50 bornes pour finir de scanner une planète, ou je vais peut-être me faire taper dessus par 3-4 monstres qui vont pas me lâcher, je vois pas autre chose à faire dans le jeu. À part les missions, mais les missions, à un moment donné, c'est du FedEx. Il y a des missions, il y a beaucoup de missions FedEx. Va chercher une ressource, amène ça à telle place, barre-toi. T'as eu ta récompense, fini. Il y a quelques missions, j'ai vu un de mes chummies faire une mission, c'est t'enquêtes sur un vaisseau qui s'est fait attaquer, puis bon, mine de rien, vaisseau. Hein. Il y a une mission par contre. Ça. Tu vas probablement tomber dessus, Martin, là. Quand tu vas vouloir atterrir sur New Atlantis, ils vont détecter de la contrebande. Ils vont t'arrêter de force. Ils vont t'arrêter. T'as pas ton mot à dire. Tu te fais arrêter et t'as pas le choix. Quand tu te fais arrêter et t'amènes à un endroit, tu fermes ta gueule, tu prends ton trou. Tu joues le gentil petit chien et t'acceptes la quest qu'ils vont te donner. Tu fermes ta gueule, tu prends la quest. Ça, cette quest-là m'a fait chier. Même si c'est pas ma game, là. C'est pas ma game. Ça m'a fait chier. Obliger un joueur à prendre une quest, ça me fait chier. En tant que maître de jeu de Donjons et Dragons, je ne vous oblige aucunement à prendre une quest. Je ne vous oblige jamais à prendre une de mes quests. Jamais. Vous pouvez faire autre chose, c'est à moi de m'adapter.
C'est à moi de m'adapter. Je vous propose une quest, vous la voulez pas, basta. Ça finit là. C'est simple, c'est simple de même. Oui, je sais que dans Skyrim, pareil, il y a des quêtes de même. C'est des quêtes obligatoires. Mais d'aviser le joueur avant. Si t'avises le joueur, OK, si tu fais ça, c'est une quest obligatoire qui déclenche. Si tu viens ici, t'as une quête obligatoire à faire. T'es obligé de la faire. Si tu vas là, t'as pas le choix de la faire. Ça fait chier, mais t'as pas le choix. C'est mon chumé, il a voulu, il est allé au casino, abandonné, puis il est venu sur New Atlantis. Quand je suis retourné sur New Atlantis, je pouvais pas atterrir nulle part sur New Atlantis. T'étais vraiment obligé de te mettre en orbite de New Atlantis pour te faire scanner, contrebande, mission obligatoire. Ah ouais. Mais là, t'as l'option de passer par la prison. T'as l'option. Et j'ai regardé mon chumé. Si tu passes par la prison, tu perds des niveaux. Tu perds de l'XP, du cash. Puis l'objet de ta contrebande. Il m'a regardé. J'ai pas de contrebande, man. Je sais que t'as pas de contrebande. T'as juste buté des pirates. J'ai pas de contrebande sur toi, là. Il était obligé de prendre la mission. Ils ont collé une mission de force. C'est soit tu fais la mission, soit tu passes par la prison. Puis j'ai pas regardé les options pour aller à la prison. Ouais, c'est moi perso, ça me fait chier. Je la ferais. Mais ça me ferait chier de la faire. Honnêtement, ça me ferait royalement chier. Mais je la ferais pareil. Parce que comme tu dis, ça fait partie du jeu. Mais d'avoir une quête obligatoire de même, même pas de lubrifiant ni rien, on te la met bien profond jusqu'à la garde. Dans le petit trou qui pue. Excuse-moi, mais j'ai pas signé pour ça, là. Tu te fais enrôler de force, puis on te donne la mission. Tu prends ton trou, puis t'endures. Je suis comme, wow, merci. C'est même pas ma game, ça me fait chier. C'est ça. C'est malheureux pour mon chumé, là. Comme j'ai dit, c'est malheureux pour lui, là. Et il n'y a pas le choix. Puis ça l'a fait chier également, là. Ça l'a fait chier également, là. Mais bon. Comme dit, il y a pire que ça. Et moi, ça me fait chier. Honnêtement, là, si je suis obligé de me faire... obligé de faire de quoi, là... Je suis de même dans la vie, là. Quand je suis obligé de faire de quoi, ça me fait chier. Il y a de fortes chances que je vais te bullshiter à job. Peut-être. OK, dans Skyrim, probablement que oui, tu peux buter tout le monde. Mais probablement que là, dans une prison spatiale avec 300 soldats qui gardent la place, puis ton vaisseau est verrouillé, t'as pas accès à ton vaisseau, je pense que tu fais pas le malin. Tu te tiens tranquille, t'es dans une base militaire. Ah, tu peux, dans Starfield. Oui, mais bon, si tu tues tous les prisonniers, puis tu tues tout le monde, il y a de fortes chances que... oh, ça va mal se passer pour toi. Il y a de fortes chances que ta tête soit mise à prix et que tu ne puisses plus atterrir à New Atlantis. Sans utiliser des moyens détournés. Ah, ça, je m'en doute. Mais les grandes villes, tu oublies les grandes villes. New Atlantis, tu oublies. Compléter la quête principale, il faut absolument que tu aies une manière de rentrer dans la loge sans te faire arrêter. Dès que tu arrives en bordure de la planète, tu peux pas te poser. Je vois pas comment tu peux faire. Parce que littéralement, ton vaisseau est automatiquement arrivé au port de New Atlantis. Et dès que tu débarques au port de New Atlantis, tu te fais scanner.
Mais si t'es déposé devant la loge, peut-être que ça marche. À une condition, ça n'est pas toujours d'aider les personnes. Je vais relancer le jeu juste parce que y a pas de musique. Ça m'énerve. Je mets un son en arrière-plan. Pas de son, ça m'énerve. Ça fait du bien. La musique, ça fait du bien. Moi, j'aime pas. Que je parle. Ah, ok, ouais. Ça, par contre, c'est même pas méchant. C'est même pas méchant, ça. Il t'a menacé, tu le défonces. Moi, ça, c'est tout à fait comme ça que je jouais. Si j'ai l'option, je le remenace en retour. Je le menace en retour jusqu'à ce qu'il se chie dessus, puis s'il chie dessus, je le laisse partir. En l'avisant que si je le croise, il meurt. Mais bon, je vais arrêter là-dessus. On a bien digressé. Moi, je travaille demain. Et je peux pas arriver en retard demain. Vu que c'est toujours pas moi le boss, je dois rentrer travailler. Donc, on se dit à demain pour un autre live. Probablement du vintage encore. Je suis bien parti sur du vintage. Je suis bien parti. Sur ce, tchuss!